centrale de Roland-Garros. 1967, voici Françoise Dürr, une jeune oranaise de 25 ans, qui est menée 4 jeux à 2 dans le troisième set de la finale du simple dames. Avec des gestes de débutante, mais avec un cœur de championne et une grande vitesse de déplacement, Françoise Dürr refait son handicap, et à la surprise générale, elle gagne le tournoi. Elle est la première Française depuis 19 ans à remporter les Internationaux de France de Roland-Garros. Elle sera pendant 10 ans parmi les 10 meilleures joueuses du monde.